Ces actions qui cadrent parfaitement avec les missions de notre département viennent s'ajouter à d'autres interventions portées par le système des Nations Unies. Comme pour dire que la problématique de la prévention des conflits, du renforcement du dialogue, de la cohésion sociale et de l'éducation aux droits de l'homme concerne l'ensemble du système des segments de la République. C'est pourquoi je voudrais saluer et encourager toutes les initiatives qui contribuent à l'instauration d'une culture de la paix dans notre pays. Dans ce sens, je puis vous rassurer que l'accompagnement du ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale ne fera pas défaut. Ma présence parmi vous ce matin en est la parfaite illustration. Cette année, le gouvernement de la République de Guinée, sous la conduite du président de la République, le professeur Alpha Condé, a initié de vastes programmes et projets de développement en faveur de l'éducation, de l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais ces efforts ne peuvent se matérialiser que dans un climat apaisé, empreint de confiance mutuelle et de respect de la dignité humaine. C'est conscient de l'acuité de cette problématique que le gouvernement guinéen vient d'adopter un document de stratégie de prévention des conflits et de renforcement de la citoyenneté. Ce document de stratégie constitue désormais le cadre de référence des interventions en matière de prévention et de cohésion et de résolution des conflits. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à tous les intervenants sur la problématique de la paix à s'inspirer désormais de cet important outil d'aide à la décision. Car cette stratégie aura pour finalité la mise en place d'un mécanisme réactif de coordination des efforts de vigilance face aux divers facteurs des conflits dans le pays. D'ailleurs, les présentes activités de prévention des conflits et de renforcement de la cohésion sociale dans toutes les régions de notre pays s'inscrivent en parfaite ligne des axes de cette stratégie. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée nationale, monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs, comme le disait Gandhi, il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. Cette célèbre citation nous rappelle que la recherche de la préservation de la paix constitue la seule voie pour un monde meilleur, apaisé, respectueux des droits de l'homme et de la dignité humaine. Nous devons tous agir donc, individuellement et collectivement, pour l'avènement d'une Guinée unie et indivisible dans la pluralité des opinions. D'ailleurs, les présentes rencontres constituent une occasion pour tous les participants de contribuer à l'atteinte de ce noble idéal. Au moyen de dialogues francs, sincères, sans passion ni haine, nous devons échanger autour de l'essentiel en posant sur la table nos mots, mais aussi en proposant des pistes de solutions. Poser les mots sur la table, c'est dire clairement ce qui ne va pas chez l'autre, ce qui ne vous convient pas. Donc, c'est parler des défauts de l'autre. Poser les mots sur la table, c'est aussi reconnaître ses erreurs, ses défauts, ses manquements. Enfin, poser les mots sur la table, c'est proposer des solutions idoines à tous ces mots. C'est finalement en cela que nous justifierons cette citation de Gandhi, pour qu'en définitive, ensemble, nous, Guinéens, nous puissions rallumer, entretenir et fortifier notre nation démocratique, tant chantée, tant promise et tant désirée. Insistons sur le développement et l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix, le reste nous sera offert, disait Mère Teresa. Pour cela, on a besoin d'intelligence et de cœur, de sentiments et de savoir, d'affect et d'intellect, de croyance et de ténacité, de dévouement et d'humanité pour fonder cette nation libre, capable de faire face
avec dignité à tous ces défis. Pour terminer, je voudrais inviter les uns et les autres à faire, à l'occasion des présentes activités, une analyse objective et sans passion des indicateurs de la violence. Je vous remercie.